Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Argus Phoenix et on se retrouve pour ce 16e épisode de Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Puisqu'à l'épisode précédent, on était plus ou moins arrivé vers la fin du monde, je crois, avec Riku au paradis des garnements. Je sais pas pourquoi j'allais dire au pays des garnements, mais bon. Il me semble qu'avec Riku, on est sur la fin du paradis des garnements, et avec Sora, on n'en est pas très loin. Puisqu'il y a eu un passage en plein boss. Ah, c'est assez ballot, on va dire, mais... Je ne sais pas comment on va reprendre avec Riku, mais je sens que ça va mal se passer, hein, en tout cas. Donc là, on va continuer un peu la suite avec Sora, puisque on atteint un peu le bout de ce chapiteau, si je dis pas de bêtises, de ce lieu où semble s'être dirigé Pinocchio. Donc on va voir ce qui nous attend derrière ça. For now, you two better get out of here. Oh non, j'avais oublié celui-là. Oh non. C'est quoi ça? Quoi? Comment je me suis retrouvé en dessous? Quoi? Alors, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc maintenant, je sais pas comment je vais re-rentrer dedans. Ah non, mais dites pas que je vais devoir faire ça. Ah, j'ai un petit peu la... Ah, franchement. Mais non. On va voir si le ballon, il passe, hein. Bon bah je crois que je vais devoir l'éliminer comme ça. J'aurais peut-être dû prendre un petit foudre. Elle est où? Mais comment je fais pour re-rentrer moi dedans? Alors, déjà c'est très drôle. Puisque j'ai eu droit à deux trucs. C'est-à-dire que j'avais le l'altération de la réalité, du réel plutôt, et le fait que je me suis fait attaquer entre temps. Et donc maintenant je me retrouve comme un con, je me suis retrouvé en dessous, je ne sais pas comment. Et donc je suis obligé de faire ça maintenant. Et alors soit je redémarre, bon ça prendra un petit peu de temps, et... Ou soit je fais ça, hein. Ah,
Il y en a un qui est à l'extérieur en plus. C'est à cause de vous là, les vampouris là. Ah, mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai ce bug en fait. Je l'ai jamais eu. Alors celui qui est au-dessus, je sais même pas comment je vais faire. Ah bah voilà. En plus on est tout seul vu que on n'a pas d'alliés hein. Mais ouais, tant mieux hein. Si ça me permet d'éviter tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le jeu a eu pitié de moi, je crois. Il veut pas venir là, le vampouri là. Parce que je crois que le jeu a vraiment eu pitié de moi. Hein. Et là, le plus difficile, c'est celui qui est là-bas, là. Et en plus, je peux même pas retourner dedans. Moi, j'en profite. Hein. C'est la première fois que j'ai vu le bug et... Autant profiter, hein. Tant qu'on n'est pas dedans, ça me va. Donc voilà. Autant en profiter. You again? Xemnas? This isn't possible! My. A hollow puppet that's managed to grow a heart. Just imagine that. Pinocchio isn't anything like you nobodies. But if Pinocchio could be given one, shouldn't you be able to have a heart inside you too? Maybe so. However... Do not forget that you yourself are not so very different from us. How am I anything like a nobody? That doesn't make any sense. Désolé, donc on a vu le retour de Xemnas, hein, qu'on avait croisé aussi du côté de la grille. Donc le glossaire sur les similes, on a eu Super Saut, le glossaire sur l'organisation 13, et le résumé de Kingdom Hearts 2. Hein. Donc voilà, hein, le truc improbable, le jeu a eu pitié de moi suite au karma de l'épisode 13 et peut-être le karma de... Enfin, le karma, oui, on va appeler ça du karma, mais bon, suite à ma poisse à l'épisode 13, et aussi, probablement, à la poisse de l'épisode précédent, hein, on ne saura pas trop. Alors, je sais pas si c'est extrêmement bien comme point de vue, hein, parce qu'on a...
un peu exploité un, je dirais un bug, mais même si dans même si c'est la première fois que ça m'arrive dans ce Kingdom Hearts et même dans les autres, hein. Donc je sais pas trop, comment quoi penser de ce bug. Voilà. Et en plus, il y aura un changement de passage. J'aurais pu en profiter pour aller chercher le coffre, hein, pendant qu'il me donnait l'opportunité de le faire. Bon, voilà. Mais je crois qu'on les a tous pris. Ah non, il y a celui-là. Et comme ça, on peut aller sauvegarder. D'ailleurs, il faut que je mette sur perso, parce que je viens de l'avoir. Voilà. Mais merci, hein, quand même. Même si ça m'a un petit peu choqué de me retrouver à l'extérieur de l'arène. Bon, on refait le chemin inverse avec tous ces cauchemars là. Wow. Oh. Alors, on va faire ça, hein, parce que ils comprennent pas trop. Mais tant mieux, hein, si c'est un peu level up. Merci, hein. Voilà. Le passage. On va savoir enfin ce qui va m'arriver. On va savoir enfin ce qui va m'arriver quand je vais reprendre Riku. On va aller là comme ça. Voilà. Comme ça on fait le passage tranquille. Et en plus Sora est level 20. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver cette fois-ci? Il va m'arriver un truc pas bien. Je le sens gros comme une maison. Mais je le sens pas. Hein. Et je reprends le combat de zéro. Et je reprends le combat de zéro, c'est bien ce que je pensais. Ah merci, je savais que t'avais pitié de moi. Je savais que tu n'allais pas me laisser finir le boss en tout cas. Excusez-moi.
C'est quand tu veux, hein. Wouhou. Et il est redescendu, non? Et il va redescendre en plus. Non mais arrête s'il te plaît d'aller en haut et tout, c'est chiant. C'est un peu violent ça. Non mais redescends s'il te plaît. Ah c'est gentil tu... Ah, c'est gentil, hein. Pardon. Pardon, laisse-moi passer, s'il te plaît. Pardon. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais... Voilà. Yeah.
Ouf, on a réussi. Ouf. Je suis soulagé, hein. I thought I was only sent into the past, on the Destiny Islands. So why does it seem like time was rewound in this world too? Maybe it's like Master Yen Sid said, the world was freed from darkness, but is yet to wake from it. It's trapped in a never-ending dream. Donc voilà, on peut pas aller plus loin, donc je crois que si je dis pas de bêtises... Ah, en plus c'était un monde de niveau 20 au final. Ben Sora est niveau 20, c'est pas mal. Et Riku il est presque. Donc, je sais plus ce que j'ai gagné moi. Je sais même plus ce que j'ai gagné, mais bon... Je crois que c'est juste mon passage qui change. Qu'est-ce que j'allais vous proposer? Ce qu'on peut faire, on avait un petit peu de choix. C'est soit on continue. Pourquoi t'as qu'un cœur toi sur les 6? Ah voilà. Voilà, c'est mieux. Soit on continue un peu avec Riku le temps du passage. Donc ça veut dire on retourne au pays d'écarnement. Attendez, je vais quand même regarder. Il y a quoi comme passage là? Le temps de passer Riku au niveau 20, je pense. Vu que Sora c'est déjà niveau 20, c'est soit on continue vite rapidement avec Riku pour qu'il level up un peu, ou soit on continue avec Sora. Je sais pas trop en fait. On va continuer avec Riku. Au moins le... Ah, bah... Quoique non, j'ai rien dit, on va pas continuer avec Riku. Si, on va continuer un petit peu avec Riku. Come on!
là, calmez-vous là. Hop. Allez. Hop. Voilà. Oups. Alors... Ok. Bon, maintenant il faut que... Je me retape un peu tout le chemin pour tomber. Et sortir de ce trou. Enfin, de ce tas... de cet intestin. Bon, ce qu'on va faire, hein. On va sauvegarder, on va reprendre avec Sora. Juste avant, on va se remettre ici. Et on va avancer un petit peu avec Sora, après avoir sauvegardé. Puisque je crois que Sora, il a bientôt fini, de toute façon, son monde. Le paradis d'égarnement aussi, donc voilà. Donc c'est parti, on va faire ça, hein. Même si on n'a pas beaucoup avancé. Bon, un petit coup de ralentisseur, on ne sait jamais. Et en plus, Sora est level 20. Ça va être pas mal, hein. Aïe, aïe, aïe. Non. Ouf. Allez, on va un petit peu rouler, hein. Voilà. Poup. Où est-ce que je dois aller après? Je crois que je dois aller à côté. Well, I hope they got home safe. You must be Sora. Oh, yes, ma'am. And you must be the Blue Fairy. That's right. And I'm afraid that I have grave news. Good Geppetto went off to look for Pinocchio, and he was swallowed by a whale named Monstro. What? Have you told Pinocchio and Jiminy about it yet? Yes. And when I told them Geppetto was still alive inside the whale, and at the bottom of the sea, those two little ones ran off at once. They're very determined to save him. But that's crazy! I've gotta find them!
This Monstro? I've heard of him, Pinoc. He's a whale of a whale. Why, he swallows whole ships alive. And besides, it's dangerous. Why, Goodbye, Jiminy. Goodbye? I may be live bait down there, but I'm with you. Ah. Aïe, ils sont allés sauver Geppetto. Et en plus, il n'y a pas de point de sauvegarde. C'est con. Hein? C'est bête, ça. Comment je fais si je vais sauvegarder? Je suis obligé de... De refaire un aller-retour. Je vous le dis, hein, je pense pas qu'on va faire le boss dans cet épisode. Ouais, voilà. Je l'avais dit. Je pense qu'on va plutôt foncer, hein. On va essayer d'aller tout droit et on verra ce que ça va donner, hein. Vu qu'il n'y a pas de point de sauvegarde, ça serait bête. Donc voilà. Donc j'ai évité un gros passage du jeu. Eh, j'ai vraiment pas de point de sauvegarde, hein. Surtout qu'on connaissait le lieu précédent, mais pas celui-là. Allez. Boum, 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 boum. Voilà. Et l'autre, il a pas perdu sa carapace, je sais pas où il l'a mis, mais bon, hein, il l'a mis de l'autre côté, c'est bien. Ah bah merci, vous m'avez montré un coffre. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Donc j'hésite à rusher jusqu'à la sortie. Et donc jusqu'au point de sauvegarde. Voilà. Bah ils sont où les... Coucou, vous êtes où? Voilà. Ah mais... Je ne voulais pas du tout bouger, moi. Ah, ok. Bon, bah... En gros, il faut que j'aille en haut. Ok. Yeah, yeah, yeah.
Aïe. Toi, fais pas trop le malin, hein. Oh. De toute façon, on fout pas trop, hein. Vous l'avez peut-être remarqué. Parce que je sais même pas où est Ballon X, alors. Ah, un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Sora va passer 21 en plus. Je pense qu'on va continuer au moins 4 minutes hein, avant de se quitter. Ah, il y a un coffre en haut. On va continuer un peu. Avant de se quitter, on va continuer sur cette zone-là. On profitera de l'autre zone au prochain épisode. Ah bah ok. Au moins passer soit au level 21 je pense et on va s'arrêter. Voilà. Voilà, bah j'ai dit qu'on s'arrêtera au level 21. Ah, ce sera le level 21. On va quand même fouiller s'il n'y a pas de coffre ou quoi que ce soit. Bon, ça a l'air d'être bon. Voilà. Il nous fait faire un petit tour. Ah. On a trouvé un autre coffre. Donc, on va s'arrêter là pour ce 16e épisode, c'est déjà pas mal, hein. On a bien progressé. On va faire juste un dernier petit tour du côté des esprits. Qu'est-ce qu'il me donne, lui? Ouais, ok, merci. Ouais, il donne pas grand-chose. Donc, je crois que... si on saute dessus, c'est soit la fin, soit le début d'une nouvelle zone. Mais on va garder ça au prochain épisode. Donc j'espère que l'épisode 16 vous a plu. On a fait au moins un boss et donc Riku est un petit peu en avance. Ah, on va pouvoir enfin donner, avoir dernière force, c'est pas mal. On a dernière force, ça va être utile, je pense, pour Sora après. Donc j'espère que ce 16e épisode de Kingdom Hearts Dream Drop Distance vous a plu. Moi, je me suis régalé, hein. J'ai enfin pu vaincre ce boss que on devait finir normalement à l'épisode précédent, mais le passage on a décidé autrement. Voilà. Donc moi je vous donne un rendez-vous au prochain épisode de ce Kingdom Hearts Dream Drop Distance. On commence pas maintenant la suite de Spider-Man, mais ça arrivera quand on sera durant... Quand on aura beaucoup avancé dans la deuxième partie du jeu. Je reprendrai un peu Spider-Man pour au moins
vous proposer autre chose que du Kingdom Hearts. Donc voilà. Donc c'était Tsuzaku d'Argus Phoenix, et comme je le dis à la fin de chaque épisode de Kingdom Hearts, que votre cœur soit la clé qui vous guide. Jan et Minna.